Djokovic can make something of this a real gift. Racing into the middle. There he is! Bobby wants it. And Bobby has it. It's three! And away through. Oh, he's got it. It's a Bobby à tous, c'est Hirt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le lancement enfin de la carrière manager avec Manchester United. Donc voilà, vous avez tous voté pour, vous avez voté en majeure partie pour Manchester United, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc franchement c'est un beau défi, j'étais vraiment content de voir les votes pour Manchester United. Donc je précise, hein, quand j'ai vu les votes, il n'y avait pas encore Falcao, il n'y avait pas encore Di Maria. Quand je les ai vus arriver, que je savais que j'allais prendre ça, ouais, j'étais vraiment content. Donc je joue en pro. Pourquoi? Parce que champion, c'est vraiment tendu, quoi. Et puis Chris de la FGT m'a dit que c'était l'équivalent d'international. Donc voilà, dédicace à Chris. compétition européenne. Donc on va faire le tirage. Donc normalement on est en rien du tout. Voilà, on est en rien du tout. Donc tout va bien. Désactiver la première période, non. Télécharger plus récente, euro, 4 minutes pro, on est bon. Donc voilà, un beau défi. Très très belle attaque de Manchester. Derrière, il n'y a pas... Pourquoi je dis deux fois pas? Il n'y a pas grand chose derrière, donc va vraiment falloir recruter. J'ai quelques idées, après faut voir suivant le budget. Donc on va s'appeler Ben Hirtelin, comme d'habitude. On va pas changer les habitudes. Donc voilà, si j'ai le temps les gars, je vous promets rien, je vous en parle là, mais je promets rien. Il y aura peut-être une carrière pro. Donc les matchs joués en intégralité, hein, je sais vraiment pas encore, parce que c'est une question de temps. Donc je sais pas si je pourrais assurer la carrière pro toutes les semaines. La carrière manager, normalement, sauf exception, ce sera toutes les semaines. Oui, la carrière manager, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça sera toutes les semaines, normalement. Donc, avec Manchester United. Et il y aura peut-être une carrière en live à partir de décembre. Décembre, je vais recevoir mon casque pour pouvoir faire les streams. Donc, ça va être plutôt cool. Donc là, on voit Vidic, la star vendue donc à l'Inter pour 11 500 000. C'est normal, c'est pas une grosse perte, même si c'est un défenseur, quoi, que ça manque à Chelsea. N'importe quoi, Manchester United. Enfin bon, on peut faire avec le recrutement. Je crois qu'il y a 40 millions, un truc comme ça, j'ai même pas regardé. Donc, carrière, on va renommer ça. Hop, Man You. Tac You. Espace. Putain, ça a changé les touches, je suis perdu. YTB qui veut dire YouTube. Je pense que vous avez deviné quand même. Allez, on charge, on charge. Ça fait que charger dans ce jeu. C'est ouf. Alors. Donc on a 5 messages déjà. Les objectifs. Donc remporter la coupe nationale. D'accord. Ouais, donc ça c'est les présidents. Nous devrions chercher un milieu axial. Ah ouais, je crois qu'ils ont pas tout compris en fait là les dirigeants. On va chercher de la défense surtout, donc voilà.
Je me présente. Oui, c'est bon. Être sacré champion. Bah oui, j'allais te le dire. Bah oui, bah oui. Alors, déjà, on va aller constituer l'équipe type. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Ander Herrera. Ouais, ça va plutôt être offensif en fait, notre. Donc voilà, là on va mettre Juan Mata. Ah ouais, le truc c'est qu'il n'y a pas de. Ouais, il jouera là quoi en gros. Ouais, c'est pas. C'est pas si gênant. Ouais. Donc, déjà on va faire le tri sur le banc. Donc toi tu restes. Toi tu restes. Fellaini tu peux venir. Ashley Young tu peux venir. Smalling tu peux venir. Des gardes Evans. Bah Evans tu vas venir là. Carrick. Carrick, pardon. Avec l'anglais, tu sais. Blind, Shaw, Raphaël. Donc voilà, il faudra un milieu, un arrière droit. Blind, il joue MDC à la base hein, quand même. Donc ouais. Pff. On va le faire jouer là. Donc il faudrait un défenseur central. Ah, quoique non, on a Smalling et Jones. Qui sont pas trop vieux, 22 ans. Smalling 24 ans, ouais, non, c'est bon. Donc on nous faut un défenseur droit. Je vais prendre Carvajal. Très très sûrement, si je peux. Et ensuite. Ouais, ça va être du bonus parce que voilà, milieu de terrain, on a vraiment beaucoup. Donc ça va être du jeune, du potentiel. Donc voilà, voulez-vous sauvegarder? Ouais, tout à fait. Par contre, il y a quelque chose que je me demandais. J'avais vu qu'on pouvait faire les équipes comme sur FUT, qu'on pouvait télécharger, enfin télécharger. Qu'on pouvait faire une équipe, donc la première équipe type, et qu'on pouvait faire une deuxième, etc. Il y aurait juste à cliquer sur deux boutons pour... Ah ouais, voilà, nouvelle compo. Donc ça, c'est la compo équipe B, on va l'appeler. Hop, espace est là, faut que je m'habitue. Équipe B, donc on va la mettre là, et voilà, ça fait un trophée en plus. Donc l'équipe B, ça peut être ça. Jones. Smalling. Fellaini. Valencia. Yanuzai. Ouais, Young comme ça, du coup. Yanuzai en MOC. Ouais, après il n'y a pas grand monde devant, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et donc là, si IF ferait bien son boulot, hein, ce qui serait exceptionnel quand même, voilà. Et donc là les gars, comme vous pouvez le voir, on a l'équipe B, donc ouais, qui peut être utilisée pour les coupes et autres. Et là on a l'équipe A, donc voilà, c'est vraiment cool, il y a juste à appuyer sur un bouton pour la mettre active. C'est cool. Donc là il y aura donc on se repère sur l'équipe B. Donc il nous faudrait deux buteurs remplaçants, un arrière gauche remplaçant, un arrière droit titulaire et un gardien remplaçant. Et puis après, s'il nous reste des crédits, des euros, bah voilà, on peut on pourra prendre un joueur bonus. Donc suivant ce qu'il nous reste. Donc déjà, on va aller chercher notre petit Carvajal. Carvajal qui va coûter assez cher, à mon avis. Il est où? Carvajal, il est là. On sait pas le prix. J'espère vraiment qu'on va pouvoir le prendre. Ensuite, à gauche, on va prendre Kurzawa. Kurzawa. TG. Hop. On s'informe. Ensuite, il nous faudrait. J'avais dit. Des buteurs remplaçants. On va prendre Anthony Martial. Qui a très 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 bon potentiel, les gars. Il faut le savoir. Je pense que vous le savez, mais bon. Anthony Martial, il est où? Merde.
Hop. Donc les systèmes de recherche et tout ça, c'est vachement sympa sur le FIFA 15. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, Anthony Martial. Ensuite, petit temps de réflexion. Benzia, ça va être assez faible. Oh, quoique. Benzia, il y a vraiment moyen d'avoir. S'informer. Il y a bien un buteur de. Merde, non, pas ça. Il y a bien un buteur en Barclay. Il me semble qu'il y a des petits buteurs sympathiques. Pas pays, non. Mais position, rôle, buteur. On va chercher ça, les gars. Adebayor, Akpom. Non. Balotelli, ouais, non, c'est trop gros ça comme joueur. Bentekeboni, Mamdjouf qui peut être pas mal, mais bon. Ah, mais me saouler vu que je l'ai sur fut, ça va pas être. Ça va pas être top. Olive Giroud, Gomis, ouais. Je crois qu'on va partir sur rien du tout. Louis Crémy, bah ouais, merde. Jeff Rasako qui est parti à West Ham. Welbeck, c'est dommage qu'il soit parti vraiment, parce que Welbeck, c'était un beau profil, ce joueur, je trouve. On va aller voir en Ligue 1 ce qu'on a. Jordan Ayew qui a été récemment transféré à Lorient. Ben Yedder, ouais, ça peut être pas mal ça. Ben Yedder, on se renseigne, enfin on s'informe. Braithwaite aussi en remplaçant Djibril Cissé. Ah là là, celui-là. Zitani, Cheikh Diabaté, même pas en rêve. Juste pour rigoler, Zlatan, 52 millions, d'accord. La casette, ça va être. Ouais, non, j'ai pas envie de le prendre. La casette, je joue trop avec. C'est. Je pense Ben Yedder, ça va être une bonne alternative. Et donc il nous faudrait un. Non, c'est bon. Il nous faudrait un milieu défensif pour combler. Parce que Fellaini, je suis pas hyper fan. Et je vais pas vous cacher que le ventre, ça me plairait. Donc on va vite se renseigner. Flamini. Matic qui est très bon. Schneiderlin. Voilà. Pas con ça. C'est pas con. Je vais te faire voir. Là. En Bundes, vous savez. Ouais, non. Qu'est-ce que je pense? Deux pailles. À mon avis, ça va être cher. Ah oui, il faut un gardien aussi, les gars. Donc Depay, ça serait le joueur bonus, hein, je me renseigne. Qui a 5 étoiles, Depay, à mon avis, il me semble. Ah merde, on peut pas voir. On peut pas voir. Ouais, non. Et donc, il nous faudrait un gardien. Ah, pas ça, un gardien. Lopez, je l'ai déjà dans une autre carrière que je fais avec Everton sur mon compte, donc. Ça m'intéresse pas trop en fait. On va voir Areola. Apparemment il est bon. On va s'informer. Sinon on peut avoir Costil qui est assez vieux, c'est dommage. Jourdren, non, j'aime pas. Ouais, de toute façon, on va prendre Areola. Ouais, on va prendre Areola. Ça fera l'affaire. Donc là, voilà. Déjà, pour les joueurs à acheter, on a tout. Ah oui, quelque chose que je voulais. Ah bah oui, voilà. Déjà, je rappelle Chicharito de prêt. Pour 1 million. Ça fera déjà un buteur. Donc voilà, Chicharito, je l'avais dit. Que je le rappellerai de son prêt
c'était obligé. Nani, ça va être un rappel de prêt aussi. Parce que c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, Rojo, on garde Fletcher. On l'ajoute à la liste parce qu'il m'intéresse pas. Fellaini, c'est la même chose. On l'ajoute à la liste, il m'intéresse pas. Rojo, Carrick, il se fait vieux. On l'ajoute. Jones, Raphaël, Lindegaard, Anderson, inintéressant aussi. Cleverley, je suis pas fan, mais on va le garder. On sait jamais en cas de blessure. Lindegaard, là, le MOC, hop, à la liste. Lui, il a l'air d'avoir un beau potentiel. On va le prêter. Ah ouais, il est prêté déjà. Parfait. Ça, on s'en fout. Blackett, Wilson. Ah, ok, voilà. Donc là, on est bon, les gars. Donc, on a les retours de prêt de Chicharito et de Nani. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans les compos d'équipe. On va aller modifier l'équipe B. Et tout de suite mettre Chicharito. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, les gars, je suis à un quart d'heure de vidéo déjà. Donc on va avancer. Donc ça va être un épisode de 20 ou 25 minutes, je pense. Aux alentours. Hein. Donc j'ai découpé en deux périodes la période des transferts. 14 millions. Déjà, je vais voir mon budget transfert. Je vais pas regarder ça. 42 millions. Popopo, calme. Bon, bah, c'est nickel ça. On va proposer 10 millions. 10 500 000 pour Cavaral. C'est un très bon joueur d'avenir en plus. 23 millions pour Kurzawa. Waouh. Donc, Anthony Martial, c'est du 4 millions. Ben Yedder, c'est du 14. Braithwaite, du 9. Schneiderlin, 25 millions. Waouh, waouh, waouh. Donc ça, c'est non. Braithwaite, il y a moyen. Ça. Ben Yedder, on va demander 10. 10 millions pour Ben Yedder, ça me semble pas mal. Tac. Kurzawa, ça me fait vraiment chier de mettre autant. Honnêtement. On va demander 15 500 000. Pour Kurzawa, le reste on garde en cas d'échec de négociation. Benzia 1 million, non, ça. 34 millions de paille, ok, ciao. Areola. Ah ouais, il fait objet d'un prêt. Ah, il faudrait un deuxième gardien. Donc il faudrait chercher autre chose. Bon. Bon, on va aller voir en Ligue 1. De toute façon, il y en a des très très bons. Benoît Costil, ouais. Elana un peu vieux. Inyama pareil. Lopez, ça me fait chier de le jouer en deuxième gardien parce qu'il est très bon. Ruffier, ça peut être une bonne idée, ouais. Très très bonne idée même, Chris. On s'informe. Ah, il risque d'être cher par contre. Il risque d'être cher, donc on va regarder un autre au cas où. Ouais, non, on va pas regarder d'autres. Hein. Alors, allez, on avance, les gars. C'est que le cinquième du mois. Une offre inacceptable, nous demandons 18 millions. On vous en met 17. Ouais, on vous en met 17. Vous ferez avec, hein, faites pas chier Monaco, d'accord. Donc Carvajal, on l'a. Waouh, waouh, waouh. Le budget transfert, c'est n'importe quoi. Ah, faut vendre. Faut absolument vendre. Ruffier 19 millions, ça va pas être possible. C'est vraiment cher. Ah ouais, énorme. Autre choix.
Ah ouais, exact. Donc les gars, juste, je parle pas tout seul, je suis juste avec FGT Chris. FGT le Parisien. Donc voilà, qui me conseille quelques joueurs de temps en temps. Gardien. Ouais, Agassa, ça peut être pas mal. Ouais, remarque, ça va être un, ouais. Ça va être un deuxième gardien, donc il n'y a pas besoin de... 36 ans? Ah ouais, non. Trop vieux. Je vais voir les gardiens de Barclay. Un peu, ce qu'il y a. Je vais pas prendre des... Trop vieux. Oh, remarque, je vais prendre Enyama. 31 ans, ça le fera. Et... Qui ça? Ah ouais? Ouais, je suis pas sur FIFA. Hein. Ouais, je m'informe. De toute façon, pour 4 ans... Ouais. Ouais, mais... Il a 36 ans, Agassa, donc c'est un peu tendu. Alors, Toulouse, une offre inacceptable, il demande 10 millions pour Ben Yedder. Donc on va juste attendre. 17 millions et Enyama, waouh. C'est vraiment trop. J'aime pas les joueurs de Paris. Non mais Duchesse, ouais, y'a pas possibilité. Attends, par contre, faut vraiment que je vende des joueurs. Cleverley, tu vas... Ah ouais, t'es en prêt. Hein? Ah ouais. Faut vraiment que j'ai des propositions de transfert parce que là je suis bloqué les gars. Il faut le savoir. On va aller voir en Bundes. En série A. Il y a quoi comme gardien? Buffon. Non, ouais, c'est vieux ça. De Sanctis, 37 ans de Sanctis il a. Wow, je savais pas. Moi. On me choque. Marchetti, 31 ans aussi. Oh là là. Bon, on va aller voir en BBVA. Eh, Diego Alves, c'est pas une mauvaise idée ça, mais il va coûter cher à mon avis. Keylor Navas, bah, il a juste été transféré, donc ça va pas être possible. Ah, ça me saoule. On va voir en Ligue 1, les gars. C'est pas grave. On va prendre un petit gardien de Ligue 1, vous savez quoi? On va prendre Costil. Costil, il fera largement l'affaire. On va voir un autre au cas où. On va voir... On va voir. Jourdain, c'est une quiche de ouf. Carasso est faible. Je trouve. On va prendre. Rudy Ryu, il existe encore. Rémi, ouais. Bon, voilà, on va faire ça. Et puis au pire, si les gardiens n'acceptent pas, ça sera Lindegaard qui peut faire l'affaire. Ah, une proposition pour Juan Mata. Ouais. Alors vous savez quoi, Liverpool, on va faire une énorme contre-proposition, 20 millions plus cher. Si vous dites oui, je vous vends. Diego Alves, 21 millions. Au revoir. 14 millions Costil. Au revoir. 10 000. Bah du coup, ouais, on garde Lindegaard et on prend Ben Yedder en buteur. On pourra prendre Kurzawa tranquillement. Et là il nous faut vraiment... Ah ouais, je sais, je vais faire un petit coup de... Voilà. Je vais me ramener à 200 000. Voilà, parfait, accepté. Hop, bureau. Transfert accepté pour Carvajal. 4 ans, titulaire indiscutable. Voilà.
Et donc là on est à 25 minutes de vidéo à peu près, donc je vais couper dès que Carvajal sera recruté. Et je ferai la deuxième partie du mercato dans une autre vidéo. Donc 39 millions il me propose. Non mais vas-y, moi je te dis, c'est 47 millions. Et du coup maintenant je monte à 50. Et ouais, Liverpool, fallait pas. Par contre, si Saline, je suis dans la merde parce que j'aime bien Juan Mata. Enfin bon, 50 millions, je pourrais me racheter un gros joueur, hein, c'est pas un problème. Monaco, il demande 18 millions, on va leur mettre. Ah, c'est vieux radin pour 1 million. Hop, Ben Yedder, on va le prendre. Hop, 4 ans, titulaire en rotation de l'effectif. Donc voilà, joueur en rotation de l'effectif. On a notre Carvajal, ça c'est fait. Première recrue de Manchester, c'est Carvajal. Ça c'est top. Boss de sélectionneur, c'est tout bon. Donc voilà, moi les gars, j'espère que je vous dis à plus, mais là je me suis foiré en fait ma fin de vidéo. Donc on va recommencer ça. Donc les gars, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Twitter qui est dans la description, ça change pas non plus. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, c'était Hirt, ciao ciao.